Pour répondre quoi? Thank you.
jeune étudiant qui veut passer sa bouche au frère Zach. C'est-à-dire quoi? Le frère Zach ne va pas implanter de lui. Il va visiter une portion d'un discernement. Alléluia. Amen. Il va venir prendre le micro. Tu n'as pas tout fait pour l'amener dans la solution. Les choses qui lui seront entre tes doigts, que ce soit
en Dieu et Dieu compte en lui pour elle. Dans la prière, Dieu se donne à une personne. Dans la prière, il se laisse connaître. Il se révèle aux esprits et se cache à ceux qui ne prient pas. Ils ne le connaîtront jamais car ils ne l'ont pas considéré comme digne d'être recherché. Il a les laissera s'en aller sans lui. C'est une priorité maintenant que tout par une église dans notre œuvre qui soit un centre de prière. Je cite un article à certains frères au sujet d'une belle église au Kenya. Chaque matin, il y a prière. Et chaque soir, il y a prière. Et chaque nuit, il y a prière. Chaque secteur du ministère, tel que le ministère aux enfants, a un programme de prière stratégique. Le ministère aux jeunes a un programme de prière hebdomadaire. Chaque acteur de l'œuvre a un programme de prière par semaine. Le pasteur aîné et la dirigeante prient pendant 6 heures et demie chaque samedi. Il y a ensuite les intercesseurs qui se retirent pendant 4 ou 5 jours, étant enfermés chaque mois pour prier. Et le leader de l'église est un homme qui a plusieurs diplômes. Lui et sa femme se sont restés à Nairobi, où la puissance de Satan sont réduites. Ils se sont livrés à 6 mois de prière. Ils sont rendus, ils n'ont pas prêché. Ils ont juste prié pendant 6 mois avant de commencer à parler de l'évangile à quiconque. Car ils savent que ce qui est de la chair ne peut subsister devant le Dieu vivant. Car ils savent qu'il y a plusieurs choses qui ne se feront à moins que les gens ne prient. Permets-moi de te dire, tu seras choqué juste avant ta mort de ce que tu n'as pas donné la priorité à la prière. Tu as dilapidé ta vie. Tu pourrais dire, j'ai réussi. Tu étais 10 000 et tu penses que tu as réussi. Alors que vous devez être 100 000 croyants. Tu es le plus grand insensé qui a jamais vécu. Lorsque tu fais un bénéfice de 1 million de dollars par mois, alors que tu aurais pu faire de 100 millions, tu es le plus grand insensé. Quand tu es un directeur, alors qu'avec la prière, tu aurais été un ministre, ta folie est grande. Quand tu m'as fait 5 ans pour être là où tu aurais pu être en 2 ans, et tu dis, mais va où je suis, chef de tous les hommes, celui dont il faut le plus avoir pitié. Là où il y a la prière, il y a l'action. Toute autre chose peut être ignorée avec un peu de peine. Car celui qui ignore la prière a donné la priorité à la chair. As-tu jamais réalisé que ta santé est le reflet de ce que tu as fait de prière? T'es-tu jamais rendu compte que ta force est le produit de ta prière? Ceux qui prient agressivement ont une force énorme. Ceux qui prient sans cesse ont de l'énergie sans cesse. As-tu t'es-tu jamais rendu que le contentement découle de la prière? Le sein de prière est trempé en Dieu et connaît Dieu comme son accomplissement et son contentement. T'es-tu jamais rendu que ta finance, ton succès financier, ne dépend de ton succès de prière et que ton manque constant est dû à ton manque constant de prière? Car celui qui marche dans la prière, même ses besoins non mentionnés à Dieu sont pourvus. Car pour celui qui s'attarde dans la présence de Dieu, même ce qui ne demande pas à Dieu d'être accordé. Par contre, celui qui va charnellement à la recherche des choses se rendra compte qu'elle est plus loin de lui. Les choses l'abandonnent, le laissant casser, meurtri et énormément dans la besoin. Sais-tu que la faveur de Dieu accompagne ceux qui prient? Que plus ils prient, plus ils ont la faveur de Dieu. Plus la prière est intense, plus la faveur de Dieu est intense. T'es-tu jamais rendu compte que ce qui est déterminant, ce ne sont pas tes capacités naturelles? Jacob et Esau les avaient. Ils savaient que l'avenir ne dépend pas de leur capacité, mais de qui avait la bénédiction. Et le lieu de prière est le lieu de bénédiction. Celui qui prie est béni. Ceux qui continuent dans la prière continuent dans la bénédiction. Ceux qui progressent dans la prière progressent dans la bénédiction.
ta constitution de prière, Dieu a en quelque sorte jeté cette du côté de la prière. Et le Seigneur Jésus-Christ, depuis qu'il a retrouvé sur le trône, ne cesse de faire qu'une seule chose. Il prie. Et l'ennemi t'a transformé en un activiste qui court de l'avant vers l'arrière, de haut en bas.
tu agis dans ma vie, Seigneur, et que tu me libères de la superficialité de la prière, et tu m'amènes, Seigneur, à la profondeur, à une vie de consécration dans le domaine de la prière. À partir de mon humain, à partir de mon humain, allez à la retraite, allez chercher Dieu pour que je puisse te trouver. Je te supplie, oh Dieu, enflamme-nous, enflamme chacun de nous, à travers sa propre vocation, que chacun de nous se lève pour aller chercher Dieu dans la prière et bâtir les choses dans la prière et ramener à partir du débordement d'une vie de prière. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Te supplions, ô roi des rois, afin que tu nous amènes, ô roi des rois, à prier, à prier, à prier. Seigneur, à travers ce qui vient d'être lu, nous avons compris que toutes choses doivent être centralisées dans la prière sur la prière. Père, nous prions au nom de Jésus, afin que nous puissions prier. Seigneur, je prie au nom de Jésus, afin que chacun de nous prie effectivement, Seigneur, s'il te plaît, éternel, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, avant de mettre le micro, je vous aime. Je crois, non. Je veux dire, une petite fille de l'école qui veut dire, oui, dire un mot.
Vous nous êtes Thank you.
pas leur temps, Seigneur. Et nous sommes contents, Seigneur. Nous sommes contents, Seigneur. Nous serons des greniers, Seigneur. Nous serons des greniers de la connaissance, Seigneur. Le dernier de nos bien côté. De génération en génération, ça ne changera pas. Gloire soit à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Thank you.
sa femme et j'y vais. Il a Alléluia. Père, que cette personne. Papa, ton Dieu a cherché une meilleure destinée. À environ 80 000 à 100 000 personnes. On lui a dit qu'il y a 700 000 de personnes. Et puis on va lui remercier le Seigneur. Mais on va lui dire bravo. Père, nous te bénissons, Seigneur. Tu as toujours ton temps, Seigneur, pour élever ce que tu as suscité. Et qui au prix de leur vie, Seigneur, ont payé. Qui, Seigneur, engageait leur vie à de durs sacrifices. Et quand tu as mis, Seigneur, a pu commencer une œuvre. Et le moment est venu, Seigneur. Nous prions, nous te supplions, Père, que tu nous accordes la grâce. D'être un peuple reconnaissant, d'être davantage reconnaissant. Et nous le serons, Seigneur. Nous le serons, Seigneur. Et nous éternel. Seigneur, nous prions
qui intervient maintenant dans leur vie. Donne-leur de la santé. Donne-leur de la longévité. Pour qu'ils soient les générations à venir. Béni soit ton nom. Et bénis ton serviteur que tu as utilisé. Que tu as utilisé pour nous amener à ce niveau de compréhension. Pour des pionniers. Qu'on n'arrive pas à donner la place qu'il faut. Tiens, reçois le nom de la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Donc, il faut dire Jésus-Christ, amen. Avant tout, la haute sous-sous, nous, quand tu es. Ma femme, avant tout, qui est connu, quand tu es. Avant tout, Mario Bodo, et merci à toi. Ah, vous, nous, on va vous aller à sous-sous, nous, quand tu es. Thank you.
jijoro ta mo to fe san re o ewe akon nami apapo emi ka ti mo do aso la re et je souhaite tellement mo emi an ko mi san mo do qu'il soit dit après cette rencontre no ko fo la pe mo ni wa indi do et le seigneur en voyant sa parole et sa parole est guéri amen mi na ta ko se apo to do mo fo pa so ni ya mo pe ni wa indi do ni lo ketsa amen bi o po lo mi na do be ta to du Père, Seigneur, de nos serviteurs, Seigneur, de nos frères.
Jésus. Père, nous prions et nous te prions, Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur Dieu, que Seigneur Dieu donne la santé à courir, à courir. Et Seigneur, tu es capable. Quand nous mettons la foi sur toi, tu es capable de tout faire. Je t'en suis reconnaissant. Merci Seigneur. Tu as brisé cette influence sur moi. Tu as pris cette influence sur chacun des dirigeants. Seigneur, tu as brisé l'influence sur chacun de nous. Je te remercie. Seigneur, cette œuvre a commencé par une retraite. Seigneur, nous l'avons fait inconsciemment. Inconsciemment, à cause de l'étouffement. Et nous devons continuer dans ça. Le train a démarré, Seigneur, ce jour. Dans le Yada, en pleine étoile. Seigneur, dans les liens. Seigneur Dieu, quelques temps après, Seigneur, à une autre station, je vous vois, plusieurs sont rentrés. Je te bénis, Seigneur, pour les frères, Seigneur, qui sont rentrés comme Daniel, comme les frères en France, les frères Justine, les frères Alessie, et d'autres femmes, et d'autres hommes qui, à chaque station, sont rentrés dans le train. Seigneur, nous sommes reconnaissants à chacun d'eux. Nous sommes reconnaissants à chacun d'eux. À tous, Seigneur, toutes les stations. Tu as fait rentrer des gens. Père, le train a quitté la gare. C'est fini, Seigneur, cette balle. La balle a été détectée. Et Seigneur, les salles qui sont les mécaniciens ont mis encore le train en marche. Et le train va filer. Cette fois-ci, c'est un métro. Seigneur, pour que nous atteignions 1 million dans la nation béninoise, et que Seigneur, nous influençons d'autres nations pour atteindre 8 millions dans la sous-zone. Seigneur, parce que tu nous as demandé de traverser les frontières. Seigneur, nous comptons sur toi. La foi est revenue. La foi est revenue. Le zèle est revenu. La force est revenue. L'onction est revenue. Seigneur, la détermination est revenue. L'amour est revenu. L'amour est revenu. L'onction est revenue. Ensemble, Seigneur, nous allons y aller pour toi. Merci, Seigneur. Tu es le docteur des docteurs. Tu as fait un bon diagnostic sur la terre, Seigneur. Et nous te disons gloire. Nous acceptons tes injections. Nous acceptons tes perfusions. Nous acceptons, Seigneur, ta réanimation. Et nous savons, Seigneur, que nous sommes battus pour te croire, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, amen. Amen. Le Seigneur nous a donné Luc. Acclamez Luc, le pauvre. Mon frère Abbas est venu souffrir pour documenter notre histoire. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, je te bénis pour, Seigneur, ce jeune que tu as choisi. Seigneur, si le frère Joseph me demandait de choisir quelqu'un, j'ai la veste dans mon cœur. L'esprit me tourmentait que c'était lui, Seigneur. Oh Dieu de gloire, Seigneur, tu me disais que ça doit être un membre RTBC. Seigneur Dieu, je te bénis parce que je leur avais déjà demandé de commencer par interviewer les anciens, les pionniers de l'œuvre. Merci parce que tu ne fais pas terreur. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. 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 La sœur Marie, je t'ai dit qu'elle allait se monter. Oh, acclamons. Seigneur, tu as planifié cet événement. Tu as planifié cet événement. Tu as planifié cet événement. Et tu as fait de mettre tes pas. Tu as fait de décider, Seigneur. Merci pour Saint-Luc. Merci pour ceux qui souffrent, Seigneur, pour le ministère au Bénin.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comment on m'aime? Entrez la salle d'eau et bon. Et prions que le Seigneur accepte la bouche. Et que le Seigneur éloigne. Pour cette tente de l'éloigne. Et que le Seigneur leur accorde des capacités inhabituelles. Qui les équipe. Et que très prochainement, nous ayons les premiers équipes, le premier livre. Hey, what's up,
client. Amen. Tu vas te rassurer. La parole dit que personne ne réussit à te détourner. La même pour la vérité que Dieu t'a dit. Même pour la paix ou pour te réussir. Et les gens ont été aussi appelés. Pour me sauver la paix, les boutons et l'on. Ferme l'examen de ta vie. Voilà ce que c'est d'être au péché. Depuis que tu as cessé. Si vous voulez, la joie est une étoile. Le diable est méchant.
Mais là, ton cœur est attiré.
parler d'un frère. Tu commences à parler d'une autre chose. Ah, c'est quoi le tu es faux. Mais toi, si tu as le droit de toute forme de procédé. C'est pas toi de toute immoralité sexuelle. Repente. Repente.
Oh, lorsqu'il nous a dit topi, rafina moka ta masuya, riba katonina la tinta la baka, riga sala bakoto la baka shiria, rita la gonina ma santa la puya, rita la katu kinda via bakaya, atacando rita, atacando rita, atacata con la mega tinta la papisa, riba masuya. Benefactor is over there. Tu te chies, tu te chies, tu te chies, tu te chies, tu te chies.
battre le pas. Béni sois-tu pour ma vie, que tu la portes au matin de l'eau. Béni sois-tu, Père, pour la restauration totale de ton peuple dans le roi. Oui, Seigneur, tu nous as appelé à nous respecter. Et nous devons vivre notre sainteté, craindre notre sainteté. Pour ta vie, ton merci. Parce que tu ne fais le chemin de là. Béni sois-tu, le Père, nous le gagnons pour le roi.
Apocalypse 12, le verset 11. Il est écrit. Jesus Christ,
Libre. Thank you.